Bonsoir tout le monde. J'ai dit bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu me bénisse aussi. Et que Dieu prospère l'œuvre dans chaque vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour le développement du leadership ce soir. Merci pour ton peuple. Merci pour leur fidélité. Merci pour l'œuvre que tu as confiée entre nos mains. Et merci Seigneur parce que tu nous as suscité pour faire quelque chose de défini et pour atteindre l'objectif défini. Nous demandons Seigneur que l'objectif à nous suscitant soit atteint au nom de Jésus. Personne ne jouera, personne ne compromettra, personne ne regardera en arrière. Mais ta puissance continuera à nous tenir debout, continuera à nous tenir fidèles pendant tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Accorde-nous ton esprit, la révélation de ton esprit, l'inspiration de ton esprit et l'influence de ton esprit, afin qu'à tout moment que nous sommes tentés à nous égarer ou faire ce que nous ne devons pas faire, que ton esprit nous alerte. Et comme nous sommes préservés, nous marchons dans la bonne direction au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce soir et utilise-nous comme canaux de bénédiction pour ton peuple sur lequel tu nous as établi. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en deuxième chronique, chapitre 25. Deux chroniques 25, verset 1er. Amazia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jodane de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Quand vous reversez, voyez ce verset 2, ça vous montre l'attente du Seigneur. Cela vous montre l'exigence du Seigneur. Cela vous montre ce que Dieu exige de toi et de moi. Ce n'est pas seulement que nous faisons ce qui est bien, mais il veut que nous faisons ce qui est droit avec un cœur entièrement dévoué. Il veut la perfection. Comme il a appelé Abraham, il a dit à Abraham, « Marche devant moi et sois intègre. » Ensuite, quand nous regardons les enfants d'Israël, dans le chapitre 18, il voulait également qu'ils vivent dans cette perfection. Et en parcourant tout l'Ancien Testament, c'est la même chose que vous voyez David parlant à son fils Salomon et dit, « Oh, aie un cœur parfait aux yeux de l'Éternel. » Dans les psaumes, il dit la même chose. Il veut la perfection. Et celui qui a un cœur parfait sera mon serviteur. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, la même chose. Soyez donc parfait. Comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Et quand vous venez dans les Épîtres, il répète la même chose. Il veut la perfection de notre part. Et s'il le veut, et s'il l'exige, et s'il le désire, et s'il dit que c'est ce qu'il veut, la grâce de Dieu doit être disponible pour toi et pour moi, et ce sera fait au nom de Jésus. Mais, si vous ne visez pas cela, vous ne l'aurez pas. Si vous ne comprenez pas que c'est ce que Dieu demande, qu'il veut que tu fasses la bonne chose, et il veut que cela soit fait avec un cœur parfait, et quel commentaire aurons-nous sur la vie, la responsabilité de la vie, et l'attitude d'Admazia, qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Dieu nous évalue. Avec le cœur avec lequel nous prêchons la parole de Dieu et avec lequel nous faisons l'œuvre, Dieu évalue notre service, il évalue tout ce que nous faisons selon l'attitude, selon la disposition et selon l'état de notre cœur lorsque nous rendons ce service. Nous voyons l'état de notre cœur quand nous rendons ce service. Dans le verset 5, on dit... Amazia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers
et les chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il y avait un combat qui faisait rage. Et comme le roi, il savait qu'il devait susciter une armée. Et cette armée ira avec lui au front de la bataille. Maintenant, de façon méticuleuse, il a tout examiné et il a eu 300 000 soldats. Dans verset 6, il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Il ne voulait pas laisser quoi que ce soit à la chance. Il ne voulait laisser rien au hasard. Ou peut-être on peut gagner avec ces gens-là. Ou peut-être nous aurons la victoire. Il voulait s'assurer que la victoire était définie. Pour cela donc, il a regardé l'autre aspect des enfants d'Israël. Il était roi de Juda. Et les enfants d'Israël, vous comprenez, Juda et Israël, en réalité, ils étaient ensemble. Jusqu'à ce qu'ils se soient séparés pour devenir le royaume du Nord. Alors il s'est dit, Dieu peut également trouver des soldats de l'autre côté. Et ils peuvent également être utiles et nous irons au front de la bataille. Et nous remporterons la victoire. Verset 7. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. » Quelle audace que cet homme de Dieu avait, et quel courage cet homme de Dieu avait, qu'il pouvait venir vers Amazia et dire à Amazia, tous ces 100 000 vaillants hommes, Dieu n'est pas avec eux. Et s'il avait entendu que c'est toi qui es venu informer Amazia que Dieu n'est pas avec lui, et que tu l'as fait, et que Amazia allait mener une action, et qu'il allait découvrir que c'est toi qui a donné le secret que Dieu n'était pas avec eux. Voilà pourquoi certaines personnes ne livrent pas le message que Dieu leur donne à livrer. Mais, et s'ils entendent, et s'ils savent que c'est moi qui ai été la source d'informations qui a amené ceci à arriver au tel à ce produit. Mais l'homme de Dieu était audacieux, comme toi aussi tu seras audacieux. Courageux, comme toi aussi tu seras courageux. Fidèle, comme toi aussi tu seras fidèle. Je n'entends pas votre amen que j'attends. Verset 8. Si tu vas avec eux, quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber. Cet homme est audacieux. Hein? Il parle à un roi. Il parle à Amazia. Il dit, j'étais livré le message de Dieu. Et tu ne peux pas être neutre. Soit tu le fais, ou tu ne le fais pas. Il dit, si tu ne le fais pas, Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Je prie que tu sois aussi audacieux. Je prie que tu sois aussi courageux. Pour que tu ne regardes pas les visages. Et s'ils font ceci, et s'ils font cela. C'est le mot-ci qui nous amène à être infidèles. Moi, je serai fidèle. Verset 9. Amazia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amazia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais il fut très irrité contre Juda et il s'en allait chez eux avec une ardente colère. Il s'en retournait comment? Avec une ardente colère. Vous savez, parfois, faire la volonté de Dieu attire la colère de ceux qui ne sont pas totalement soumis à la volonté de Dieu. Mais Dieu merci, tu seras soumis à la volonté de Dieu.
la parole de Dieu ici, maintenant, en 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14 dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Le Seigneur est très clair. Et il a été clair dans l'Ancien Testament. Il est également très clair dans le Nouveau Testament. Que les croyants, les suiveurs du Seigneur et les enfants de Dieu ne doivent pas se mettre sous un joug étranger avec les incroyants. Dans n'importe quoi, n'importe quelle chose. Dans le mariage, dans les affaires, dans la communion, dans l'amitié, dans l'adoration. Dans aucune chose. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants. Et dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, qui parle, qui nous parle, le Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous considérons le message, le grand coup, et la compréhension du joug étranger. De ce mot compréhension, vous devez comprendre. Nous devons bien comprendre, c'est quoi le joug étranger? Comment le joug étranger s'applique-t-il à toi et à moi, ou à un enfant de Dieu? Et comme nous conseillons les gens, comme nous parlons aux gens, comment expliquer le joug étranger? Parce que vous voyez, il y a des gens qui peuvent aller à tel extrême, et pour eux, tout est joug étranger. Il y a d'autres qui vont à l'autre extrême, et il n'y a rien de joug étranger pour eux. Vous devez rester au milieu et avoir la compréhension de ce que c'est que le joug étranger. Donc, en Proverbe, chapitre 19, verset 2. Proverbe 19, nous lisons ici le verset 2. Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est pas bon pour personne. Le manque de science... L'Église sans science, un enfant de Dieu sans science, nos convertis sans science, que les ouvriers sans science, n'est pas bon. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Vous ne pouvez pas vous précipiter dans une action lorsque vous êtes ignorant de ce que Dieu dit. En Ésaïe au chapitre 5, verset 13. Ésaïe chapitre 5. Verset 13, Ésaïe 5, 13. Il dit, il faut la compréhension de ce que Dieu dit. Dans le verset 13, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif, sa noblesse mourra de faim. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants. Mon peuple sera amené soudain captif, parce qu'ils n'ont pas de compréhension. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. En Osée 4. Osée chapitre 4. Il veut que nous ayons la compréhension appropriée et la connaissance appropriée de ce que c'est que le joug étranger ou dans les Écritures afin que nous puissions bien dispenser les Écritures. En Osée 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous voyez, lorsque nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des doctrines de la Bible, nous nous disqualifions d'être ministres de Dieu. Nous ne pouvons pas aller devant l'assemblée du peuple de Dieu, devant le peuple de Dieu et dire quelque chose
Je pense que c'est ce que Dieu veut dire. Je sens que c'est ce que Dieu veut dire. Je pense que c'est ce que l'Église est en train de dire. Et je répète la même chose, que je comprenne ou pas. Je dois comprendre. Je dois comprendre. Je dois croire. Et je dois le faire. Je dois pratiquer cela afin que cette parole de Dieu soit très claire. Premièrement, par l'exhortation. Deuxièmement, par l'exemple. Je le prêche afin que les gens puissent savoir ce que nous prêchons. Je le pratique pour que le peuple puisse savoir que c'est ce que nous pratiquons. Voyons cela encore. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je prie que Dieu nous donne la compréhension. Dieu me donnera la compréhension. 2 Timothée chapitre 2. En 2 Timothée chapitre 2, lisons le verset 7. 2 Timothée 2, verset 7. Comprends ce que je dis. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je te dis tout cela, je te montre tout cela, je te révèle tout cela. J'essaie de te rendre tout cela disponible par l'Esprit de Dieu. Et dit, voici ce que, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Dieu te donnera de l'intelligence. J'ai dit, Dieu te donnera de l'intelligence. Ce soir, comme je l'ai dit, nous considérons le message, le grand coup et la compréhension du joug étranger. Il y a trois choses à considérer premièrement. La perte irrémédiable, la perte, quelque chose qui est fait, quelque chose qui survient comme résultat de joug étranger. Donc la perte irréparable du partenariat avec les impies. Revenons, la perte irréparable du partenariat avec les impies. Deuxième Chronique chapitre 25, nous revenons à ce passage. Voyons cela par le verset 5. La perte irréparable du partenariat avec les impies. Verset 5 du chapitre 25 de 2 Chroniques. Amasia rassemblait les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore, voici le joug étranger. Il ne savait pas. Il semblait innocent. Il semblait ignorant. Mais l'ignorance n'est pas une excuse. Dieu merci, un homme de Dieu est venu vers lui pour le lui dire et pour lui montrer et pour lui révéler que ces gens-là, que Dieu n'était pas avec eux. Et cela est devenu un joug étranger, même s'il voulait la victoire. Mais il doit avoir le succès. Tu dois avoir ton succès, ta victoire et ta fécondité. Sans le joug étranger, on ne peut pas dire, oui, je veux la gloire de Dieu. Et par conséquent, nous allons nous priver de la communion avec Dieu. Parce que nous ne suivons pas la parole de Dieu. Nous ne suivons pas pleinement la parole de Dieu. Verset 6. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Mais un homme de Dieu vint auprès de lui et dit au roi qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Verset 9. Voici la perte irréparable. Il avait payé de l'argent, une somme d'argent. Et s'il renvoyait les gens, ce n'était pas possible de récupérer les sous. Et le prophète ne lui a pas promis qu'il allait récupérer les sous.
Amasa dit à l'homme de Dieu, « Et comment agis à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Tu n'auras plus l'argent. Tu perdras l'argent. Tu devrais chercher de conseils avant de t'engager dans cette affaire, avant de t'engager dans cet accord. » Verset 10. Alors Amasa sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux. Mais il fut très irrité contre... Dites-moi. Mais il fut très irrité contre Juda. Regardez ici, s'il vous plaît. Vous savez, il y a des gens, ils connaissent la volonté de Dieu. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Leur problème, si je fais la volonté de Dieu, quelqu'un sera fâché. Quelqu'un à côté de moi. Quelqu'un devant moi. Quelqu'un qui peut faire quelque chose de douloureux. Il va se fâcher. Ils oublient que Dieu aussi peut se fâcher. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu as un choix. Le choix est le choix entre la colère de Dieu ou la colère de l'homme. Laquelle est plus sérieuse? Laquelle est plus douloureuse? Laquelle est éternelle? La colère de Dieu, évidemment. Alors Amasa réalisa que si je n'obéis pas au Seigneur, déjà le prophète m'a déjà dit que Dieu me fera tomber si je ne lui obéis pas. Il sera fâché contre moi. Maintenant, tous ces Israélites que j'ai choisis d'Éphraïm, ils sont en colère, ils sont en colère. Mais il y a une plus grande colère qu'il faut éviter. Alors, ils s'en allaient chez eux avec une ardente colère. Verset 13. Cependant, les gens de la troupe qu'Amasa avait renvoyée pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Juda. Ça, c'est le coup. Ça, c'est le coup. La conséquence. Même si ils ne sont pas allés avec eux, même si finalement il a obéi au Seigneur, même si finalement il a annulé ce joug étranger, le partenariat avec les impies, mais il a subi, il a souffert pour cela. Parce que maintenant, les villes de Juda étaient sous l'attaque de ses soldats depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. C'est-à-dire, ils sont entrés dans la ville, ils ont ravagé partout, de ville en ville. Ils tuèrent combien de personnes? 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Là, c'est le coup. La perte irréparable. 3000 personnes sont mortes comme résultat de cela. Regarde avant de diriger. Pense avant d'agir. Réfléchis énormément. Je pense à ceci, je pense à cela. Si je le fais, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela va se traduire en joug étranger? Si cela va se traduire en joug étranger, alors je me retire avant que les conséquences ne viennent. Il y a un joug étranger dans le mariage. Dieu a deux enfants d'Israël, comme vous ne devez pas le faire. Deutéronome chapitre 7, le verset 1er. Deutéronome chapitre 7, verset 1. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Guigassiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, point de communion, point d'accord, point de ligue, point de communion, point d'alliance avec elles. Et tu ne leur feras point grâce. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Il nous dit, nous parents, que vous n'allez pas donner vos filles à un fils
à une autre famille qui est un incroyant, peu importe que les parents soient dans l'église ou pas. Hein, l'homme à qui tu donnes ta fille, est-ce que cet homme est un incroyant? Si cet homme est infidèle, si cet homme n'est pas obéissant à la parole de Dieu, tu ne vas pas dire, hein, les parents sont dans l'église. Et après, ta fille ne marie pas les parents. Ta fille épouse le fils. Et on dit, et tu ne donneras point tes filles à leur fils. Et tu ne prendras point leur fille pour tes fils. Ah, ma fille est ferme. Ma fille est endurcie. Elle dit que c'est la personne là qu'elle veut marier. Maintenant, tu ne vas pas consentir à cela. Tu ne vas pas donner ton accord à cela. Hein, les enfants de nos jours là, et maintenant s'ils s'en vont, et ils le font sans mon consentement. Ça, c'est leur décision. Maintenant, de ton côté, tu dois être non compromettant. Parce que tu ne vas pas désobéir au Seigneur dans le domaine du joug étranger dans le mariage. Verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Contre qui? J'ai dit contre qui? Je ne vous entends pas. Contre toi. Il te détruirait promptement. Je prie que tu ne le fasses pas. J'ai dit, je prie que tu ne le fasses pas. Deuxième chronique. Deux chroniques, chapitre 18. Le joug étranger dans la poursuite de la victoire, de la conquête des nations ennemies. Deux chroniques 18, verset 3. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Josaphat était un bon roi, le roi de Juda, en ce moment. Et Achab est un mauvais roi, pécheur, maléfique, cruel et méchant. Maintenant, Achab a dit, ça c'est l'incroyant ça, l'homme cruel, l'homme pécheur, l'homme qui ne connaissait pas Dieu, l'adorateur de Baal, dit, veux-tu aller avec moi au combat? Veux-tu aller avec moi à Ramoth en Galade? Un bon roi, Josaphat. Josaphat, un roi juste, il dit, bien sûr, j'irai. Je suis comme toi, Josaphat, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Un enfant de Dieu né de nouveau n'est pas comme l'incroyant. Un vrai suiveur de Jésus-Christ n'est pas comme la personne qui suit Baal, qui suit le diable. Une personne désobéissante à la parole de Dieu n'est pas comme celui qui est rebelle à la parole de Dieu. Il dit, je suis comme toi et mon peuple comme ton peuple. Nous irons l'attaquer avec toi. Mais finalement, Josaphat a dit, est-ce qu'on peut trouver un homme de Dieu, un prophète, qui peut nous dire et nous montrer comment aller? Achab a amené tous les prophètes de Baal et ils ont prophétisé. Tout le monde peut prophétiser. C'est comme ça, ils font. Ils sont des faux prophètes et leurs prophéties sont fausses. Je prie que les fausses prophéties ne te conduisent pas mal au nom de Jésus. Josaphat dit au roi d'Israël, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut nous montrer le chemin? Achab dit, oui, oui, il y a un seul. Il est là, mais je le hais. Parce que il ne minimise pas le message. Il ne modère pas le message. Il te donne le message tel que c'est. Il n'utilise pas la sagesse. Il te donne ça. Et c'est comme un poignard dans le cœur. Je le hais. Je ne veux pas l'écouter. Josaphat a dit, ne parle pas comme ça. Amenons-le ici. Et maintenant, l'homme est venu. Je prie que tu sois comme cet homme. J'ai dit, je prie que tu sois comme cet homme. Il a mis le marteau sur le clou pour dire, tu iras. Mais tu ne reviendras pas. Il dit, tout le monde écoutez, mettez-le en prison jusqu'à mon retour. Et l'homme de Dieu a dit, si tu reviens, l'Éternel n'a pas parlé par moi.
Et finalement, ils s'en allaient. Ils savaient que cet homme de Dieu ne rate jamais le message. Ils te connaîtront. Tu ne rateras jamais ça. Quand tu parleras, le ciel le confirmera au nom de Jésus. Alors il a dit, Josaphat, tu sais ce que tu vas faire dans ce combat? Moi j'irai, je vais me déguiser. Mais toi, garde tes habits royaux, sois comme le roi. Mais je vais me déguiser. Il voulait que l'homme se retrouve dans les problèmes. Il y a une perte, la perte de vie. Tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre ton ministère. Tu peux perdre tout ce que tu as rassemblé toutes ces nombreuses années avec cette compromission, avec le partenariat avec les impies. Verset 28. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et ils s'en allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. C'est ce que Achab voulait faire. Il voulait piéger le roi de Juda. C'est pourquoi il a dit, je vais me déguiser. Je serai humble et j'irai comme un soldat ordinaire. Mais toi, va comme un roi. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Ils ne vont pas t'avoir. Que Dieu te pardonne. J'ai dit que Dieu te pardonne. Épargne ta vie pour que tu puisses régler avec Dieu. Et comme tu règles avec Dieu, tu ne le feras plus dans ta vie au nom de Jésus. J'attends ton amen. Verset 32. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le prophète l'avait dit, la parole de Dieu ne faillira jamais. Et le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir. Et il mourut vers le coucher du soleil. Qu'est-ce qui est arrivé? Il mourut. L'homme de Dieu l'avait dit. Il devait prendre garde à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu l'a averti. Que si tu t'en vas dans ce combat, tu ne reviendras pas vivant. Il a dit, ah, écoutez ce que cet homme dit. Oh, il est méchant, mais il est mort. Voyez notre homme, Josaphat. L'homme sous le joug étranger. Il y a la conséquence. Il y a un prix. Et c'est irréparable. Chapitre 19, 1 et 2. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Doit-on secourir, supporter le méchant? Doit-on encourager le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel, quelqu'un qui est rebelle contre la parole de Dieu
Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Est-ce que tu vas dire que tu es ignorant de la vie d'Achab? Ne sais-tu pas qu'il haïssait l'Éternel? Et ne sais-tu pas qu'il était rebelle contre la parole de Dieu? Et aimes-tu ceux qui... Tu supportes des gens pareils, tu soutiens des gens pareils, et tu élèves des gens pareils, tu encourages des gens pareils, et tu vas avec eux au front de la bataille. À cause de cela, l'Éternel a irrité contre toi. Il y a le jugement. Si quelqu'un persiste dans le joug étranger. 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15. Lisons à part du verset 12. 2 Samuel 15. À part du verset 12. Le joug étranger. Nous devons être vigilants parce qu'il y a des gens qui ont une compréhension limitée de ce que c'est que le joug étranger. Et ils disent, d'accord, Dieu merci, je suis marié à un croyant. Ce n'est pas encore la fin. Dieu merci, je travaille dans un service et je ne fais pas des affaires avec quelqu'un qui ne suit pas Dieu. Ce n'est pas encore la fin du joug étranger. 2 Samuel 15, à partir du verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo, Achitophel, le Guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Absalom était impie, Absalom était pécheur, Absalom était méchant, Absalom était mauvais. Il avait la pensée de renverser son père. Maintenant, il voulait dominer, régner par la force. Et il n'avait pas l'appel de Dieu à le faire. Maintenant, il a envoyé appeler Achitophel. Achitophel est venu vers lui. Ça, c'est le joug étranger. Quelqu'un a un plan de faire quelque chose qui n'est pas correct. Il a le plan de renverser le ministère, l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu. Ce n'est pas vrai. Bon, et il t'envoie et il demande ta coopération. Il demande ta compréhension. Quelle que soit l'histoire qu'il peut te raconter, si tu coopères avec lui, si tu es en accord avec lui, c'est un joug étranger. Voyons cela maintenant dans le chapitre 16, verset 23. Chapitre 16 du chapitre. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alors, Achitophel s'était allié à Absalom sous un joug étranger. Tu envoies ton argent à quelqu'un qui prêche la fausse doctrine. C'est un joug étranger. Tu donnes ton soutien à quelqu'un qui perpétue la fausse doctrine. C'est un joug étranger. Et tu prêtes ta voix à quelqu'un qui s'est égaré de la voie. Et nous savons qu'il fait du mal. Il ne conduit pas les gens au ciel. Il veut disperser l'église de Dieu. Et il veut priver les gens de la sainte doctrine. Et tu le soutiens. Tu souris avec eux. Et tu pries avec eux. Et tu pries pour eux. Et tu donnes tes choses matérielles. C'est un joug étranger. Voyons maintenant. La perte irréparable du partenariat avec les impies. Chapitre 17. À part du verset 23. Chapitre 17, verset 23. Achitophel voyant que son conseil n'était pas suivi, cela son âne est parti pour s'en aller chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison. Et il, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut. Est-ce qu'il allait au ciel? Il est mort dans la rébellion. Il est mort dans ce joug étranger. On dit, c'est ainsi qu'il mourut. Et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Psaume 50. Nous devons comprendre ce que c'est que le joug étranger. Nous devons comprendre l'étendue, la profondeur du joug étranger, la hauteur du joug étranger, la largeur, la longueur du joug étranger. Ce n'est pas seulement que je n'ai pas ma épouse un incroyant ou une incroyante, c'est plus que cela. En Psaume 50,
Nous lisons les versets 18 à 20. À part du verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'as imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Sous tes yeux. Prenez-y donc garde. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Il nous dit ici, par le joug étranger, quand quelqu'un fait une affaire, et c'est un voleur, et c'est toi qui les aides, qui les soutiens, ils ne savent pas comment enregistrer, c'est toi qui leur montre comment tenir la comptabilité, ils ne savent pas comment toucher les autres, et avoir les gens s'associer à eux. Il veut tricher les gens. Il veut frauder les gens. Il dit, bon, tu sais, j'ai besoin de 100 personnes. Si j'ai 100 personnes, maintenant, il contribue ceci, cela. Voici ta commission. Et toi-même, tu cherches l'argent. Tu as oublié ta Bible. Et alors que c'est un voleur, il veut prendre l'argent et il va s'enfuir. Et c'est toi qui cherches les membres de ton église. C'est toi qui cherches des soutiens, qui va contribuer à ce type d'affaires frauduleuses. C'est un joug étranger. Parce que le Seigneur dit, tu es un participant avec les adultères et tu soutiens ceux qui sont voleurs. Il dit, je vais te reprendre et personne ne pourra échapper. Jonas chapitre 1. Le joug étranger. Comme nous sommes en Jonas chapitre 1, vous connaissez l'histoire de Jonas. Je vais vous rappeler des événements qui se sont produits dans la vie de Jonas. Et nous verrons ceux-là qui l'ont aidé. Et nous allons voir la perte irréparable du partenariat avec les impies. On dit dans le chapitre 1 de Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, et on dit, loin de la face de l'Éternel. Ces gens-là, ils semblaient innocents, ils semblaient ignorants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes dans le commerce, et nous avons notre moyen de transport, nous avons un navire, un bateau, et quelqu'un dit, il a payé son argent, il a payé la facture, et nous savons où nous allons. C'est plus que ça. L'homme fuit loin de Dieu. Il fuit l'appel que Dieu l'a lancé. Et maintenant, tu le soutiens. Et maintenant, tu es en train de soutenir l'homme rebelle et tu l'acceptes. Voyez la parole de l'Éternel, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre, mais n'ont jamais récupéré cela. Ça, c'est la perte irréparable. Ils ont perdu leur bien. Ils ont tout perdu dans la mer. Ils ont dit, pour le rendre plus léger, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? »
Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne paierons pas. Le joug étranger a continué. Ils ont accepté Jonas, ils ont donné à Jonas un coup de main pour fuir la foi, la face de Dieu. Mais pendant ce temps, les Ninivites attendaient. Les Ninivites attendaient le message que Dieu devait leur envoyer par Jonas. Jonas a dit, je n'irai pas, je vais me rebeller, je vais désobéir. Et ces gens étaient en accord avec lui en le transportant là, ils voulaient aller, verset 7. Et il se dit l'un à l'autre, venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il devait vérifier cela avant de le mettre dans le navire. Tu as amené un étranger dans ta maison et tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas qu'il est contre Dieu et tu ne sais pas qu'il y a quelque chose de mauvais qui le suit parce qu'il désobéit à Dieu. Maintenant, tu poses la question et il leur a dit, il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le pouvaient, ils ne le purent. Ils voulaient garder ce joug étranger. Ah non, on ne peut pas te jeter à bord. On va rester avec toi. On sympathise avec toi. On n'est pas entièrement d'accord avec ce que tu as fait. On a eu trop peur que tu l'aies fait. Mais tout de même, comment est-ce qu'on peut te jeter à bord? Alors, ils ne purent. Car la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquaient l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur, dites-moi la suite, et la fureur de la mer s'apaisa. C'était le problème. C'est le problème du joug étranger. Je prie que tu ne sois pas sur un joug étranger avec un rétrograde, avec un fuyard, un prophète prodigue, avec un prédicateur prodigue. Tu ne vas pas les soutenir au nom de Jésus. Tu ne vas pas les supporter. Donne-moi un grand amen. Éphésiens 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Brisez ce joug étranger. Brisez ce lien étranger. Brisez la chose qui t'associe et qui te lie
à ces gens incroyants. Et le Seigneur aura pitié de toi au nom de Jésus. J'ai dit Dieu aura pitié de toi, de moi au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Les bornes irréprochables de la perception. Pas les non compromettants. C'est maintenant très sérieux. Nous devons comprendre les limites du joug étranger. Le sens du joug étranger. Nous devons comprendre que plusieurs choses que les peuples disent, ça c'est un joug étranger, ça c'est un joug étranger, peut ne pas être un joug étranger du tout. Et les Écritures doivent nous illuminer et nous montrer la voie des choses qui ne sont pas joug étranger. C'est pourquoi nous appelons ce point les bornes de la perception et les bornes irréprochables de la perception par les non compromettants. En Daniel chapitre 1, vous connaissez très bien Daniel. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. En Daniel 1, verset 8, Daniel, résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Comprenez? Daniel était en captivité. Daniel était en Babylone. Comprenez? Le roi Nebuchadnezzar avait choisi certaines personnes pour apprendre la science et les études des Chaldéens. Non seulement cela, pour apprendre la langue des Chaldéens, afin que parmi eux, ils puissent choisir des gens qui travailleraient, qui allaient travailler pendant qu'ils sont là. Ils vont travailler dans le palais du roi. Ce n'est pas un joug étranger. Vous êtes au service et ce service-là n'est pas une organisation chrétienne. Ce n'est pas une société chrétienne. Et tu es là pour faire avancer les affaires. C'est une bonne affaire. C'est une affaire normale. Et tu es employé là-bas. Tu ne compromets pas, même si tu aides une organisation qui n'est pas nécessairement une organisation chrétienne. Je crois que tu vois Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 47. Daniel chapitre 2, verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fut un grand homme. Ce n'est pas un joug étranger, ce n'est pas un poste politique. Il a fait les études et maintenant, il n'y avait personne pour faire ce que Daniel pouvait faire là-bas. Et le roi a fait de lui un grand homme, l'a élevé et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Babylone n'était pas une communauté chrétienne, n'était pas une communauté religieuse. C'était une communauté des Babyloniens. Maintenant, on dit, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Tous les autres employés là-bas, il a établi Daniel sur eux. Verset 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Même si Babylone était impie, Daniel était injuste. Daniel, Shadrach et Abednego étaient là. Ils ont fait ce qui était disponible à faire. Ce n'était pas un joug étranger. Genèse 41. Genèse 41, les bornes irréprochables de la perception. Nous devons comprendre les Écritures. Nous devons comprendre ce que c'est que le joug étranger et ce que n'est pas le joug étranger. Genèse 41, lisons ici le verset 37. Verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Pharaon dit à ses serviteurs,
trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Pharaon, à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Vous voyez cela? Ce n'est pas un juge étranger. C'est le roi d'Égypte appelant Joseph et dit, parce que Dieu t'a révélé ce rêve et cette interprétation à travers toi, personne n'est aussi sage que toi, aussi intelligent que toi, aussi prudent que toi. Une personne qui peut gérer les affaires de la hiérarchie égyptienne comme toi. Pour cela, tu seras établi sur ma maison, sur mon peuple, et tu dirigeras toutes choses. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Il dit, « Je serai toujours là, comme l'empereur, mais tu vas diriger sous moi. » Ce n'est pas un joug étranger. C'était l'accomplissement du rêve que Dieu avait donné à Joseph. Psaume 105. Psaume 105. Parlant toujours de Joseph. Psaume 105. Verset 18. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. Verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi, parlant du roi d'Égypte, fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Verset 22. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna, dites-moi la suite. Verset la fin de dit à haute voix. J'attends 1, 2, 3. Et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Ça, ce n'est pas un joug étranger. Il n'était pas un politicien. Il n'a pas fait de campagne pour cela. Et tous ces sénateurs dans le pays d'Égypte, ils étaient là. Pharaon a dit, montre-leur la voie de la sagesse. Enseigne-leur la voie de la sagesse. Et quelqu'un peut dire, Jonas était sous un joug étranger. Pas du tout. Ce n'était pas un joug étranger. Que Dieu te donne la compréhension. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel 30. Lisons ici. Verset 8. 1 Samuel 30. Verset 8. La situation ici, c'est lorsque David a perdu sa femme, a perdu tout ce qu'il avait. Et les gens étaient venus, ils avaient tout emporté. En réalité, les soldats avec lui, à cause des pertes, ils ont pleuré. Et même David aussi a pleuré, sans que personne ne puisse l'encourager. Mais il s'encourageant l'Éternel, il a posé la question, poursuivrai-je? En 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche. Quelqu'un, tu vas tout recouvrer. Dans ta famille, tu vas tout recouvrer. Dans le ministère, tu vas tout recouvrer. Maintenant, ils allaient poursuivre. Et ils allaient recouvrer. Comment vont-ils le faire? Ils ne savaient pas où. Ceux qui étaient venus envahir leurs biens, les emporter, ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Et Dieu a dit, poursuivez. Verset 11. Ils trouvaient dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Et lui donnait un morceau
d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu? Et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Siclag. Attendez là, voici un Égyptien et fils d'un Amalécite. De deux manières, il était un incroyant. Égypte et Amalécite. Égyptien, Amalécite. Maintenant, qu'est-ce que David devait faire? Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants. Nous poursuivons et nous voulons rattraper ceux-là. Et le seul qui connaît le chemin, le seul qui sait comment atteindre un Amalécite, et c'est un Égyptien. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce n'est pas un joug étranger. Nous sommes en train de construire un auditorium gigantesque. Il y avait des choses qu'on ne savait pas comment le faire nous-mêmes. On pensait à tous les domaines et nous avons eu des experts. Ces experts ne sont pas nécessairement sauvés, sanctifiés, remplis de l'esprit chrétien. C'est du travail. Et nous ne sommes pas sous un joug étranger avec eux. Nous sommes en train de leur dire de nous montrer leur expertise et leur expérience. Et ils ont fait tout cela. Et ils sont repartis chez eux. Et le bâtiment est resté et sera utilisé pour la gloire de Dieu. Est-ce que j'entends un amen? Ce n'est pas un joug étranger. Vous voyez, vous pouvez utiliser les services des gens qui ont l'intelligence, qui ont la compréhension, qui ont la formation, même s'ils sont, ne sont pas, s'ils sont des incroyants. Vous voyez le verset 15. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers ces troupes ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers ces troupes. » Et l'histoire a continué. Et il les a fait descendre. Verset 18, « David sauva tout. » David sauva tout. Et la vie profonde sauva tout. Et ton église locale va tout recouvrir. Et toi, est-ce que tu es là? Où es-tu? Tu veux te voir avant de te parler. Et toi, si tu vas tout sauver. Ce n'est pas un joug étranger. Un roi, chapitre 5. 1 roi 5, verset 1er. 1 roi 5, nous lisons à partir du verset 1er. On dit ici, 1 roi 5, 1. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait au moins pour roi à la place de son père. Il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. » Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant,
ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs. Vous voyez cela? Mes serviteurs seront avec tes serviteurs. Ce n'est pas un joug étranger, parce que Dieu n'a pas condamné cela. Il avait besoin du bois, du bon bois, ou du bois solide. Et cela ne pouvait venir que du Liban. Et les serviteurs d'Hiram savaient comment couper et comment les convoyer. Alors Salomon est allé vers lui et il a eu cette aide. Et les serviteurs étaient ensemble. Et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Les Sidoniens, vous voyez, Tyr et Sidon, ils sont les incroyants. Finalement, ils ont péri. Maintenant, Salomon a dit, il n'y a personne parmi nous ici. Il n'y a personne, même dans mon royaume, qui peut couper du bois comme tes serviteurs. Lorsqu'il entendit les paroles, verset 7 de Salomon, Hiram eut une grande joie et dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils, sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. » Continue. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Ça, ce n'est pas un joug étranger. Employer les gens qui devaient leur donner les matériels nécessaires pour bâtir la maison de Dieu. En Actes des Apôtres, Actes 5, verset 33 dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Les apôtres étaient devant le conseil des Juifs. Et ces dirigeants juifs, on vous a dit de ne plus parler encore en ce nom. Maintenant, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Maintenant, l'audace de l'esprit est venue sur Pierre, comme cela viendra sur toi. Il a dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ils ont commencé à leur dire, alors quand ça parle de Jésus crucifié, Jésus qui est mort et Jésus qui est ressuscité encore. Dieu l'a ressuscité des morts et nous sommes témoins. Et il dit, mais quand ils entendent cela, ils furent furieux et ils voulaient les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, pas un chrétien, pas un croyant, un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car... » Et il a continué. Voyez maintenant le verset 38. « Et maintenant, je vous le dis, un incroyant,
Maintenant, je vous dis, ce Gamaliel, maintenant je vous le dis, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un homme de l'évangile. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Elle connaîtra une mort naturelle. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils voulaient les tuer. C'est pourquoi ils ne les ont plus tués. Ils se rangèrent à son avis. Vous voyez, il a été utile pour préserver ses apôtres. C'est pourquoi nous avons le Nouveau Testament maintenant. C'est pourquoi maintenant nous avons les épîtres maintenant. Voilà pourquoi nous avons l'Église maintenant. Parce que Dieu a utilisé cet homme Gamaliel pour préserver la vie de ses apôtres. Vous savez, certains vont dire, « Ah non, 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 je ne veux pas qu'un incroyant mette la bouche dans cette affaire. Si je vais, j'irai en prison, que j'aille. Si je vais mourir, que je meure. Parce que ce sera un joug étranger. S'il n'y a pas de croyant qui va venir et me sortir de cette affaire. S'il n'y a pas de croyant, un enfant de Dieu sauvé, sanctifié, qui va me sortir de ce problème. Un croyant, non, 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 non. Garde ton aide. Je vais mourir. Bon, tu iras au ciel. » Mais l'œuvre qui doit être faite ne sera pas faite. Non, tu ne mourras pas. Où es-tu là-bas? Tu ne mourras pas. Tu seras sage et quiconque Dieu enverra d'avance pour t'aider et te préserver, il te préservera au nom de Jésus. Chapitre 28, Actes des Apôtres 28, verset 1er. Actes 28, verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnus que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent, les gens non lettrés, non illuminés, non chrétiens, les barbares nous témoignaient, les païens, les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. C'est-à-dire beaucoup de bienveillance. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, l'apôtre, était là. Et les disciples étaient là. Ils ont dit, ces barbares, ils ont fait du feu parce qu'il faisait froid. Quelqu'un va dire, non, 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 je ne veux pas me réchauffer avec le feu d'un incroyant. Ça, c'est un joug étranger. Non, ce n'est pas un joug étranger. Comprenez cela. Tu jouis de l'électricité. Ceux qui pourvoient l'électricité, là, ils ne sont pas tous des saints, sanctifiés, remplis de l'esprit. Maintenant, tu utilises l'électricité. De la même manière, l'apôtre Paul ici a compris que ce n'est pas un joug étranger. Nous devons avoir une bonne compréhension de ce que c'est que le joug étranger et de ce que le joug étranger n'est pas. Verset 3, Paul a ramassé un tas de broussailles et les a mises au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Ils étaient des païens, donc ils avaient des superstitions. Paul secoua l'animal dans le feu. Tu vas secouer cela. Dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils vont te regarder, ne verront aucun mal. Ils changeaient d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Baba Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Un non-croyant, on lui a donné des logements. Ils ont logé. Ils ont accepté le logement. Ça, ce n'est pas un joug étranger. Verset 8.
le père de Publius, était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Dieu va t'utiliser de cette manière. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Verset 10. On nous rendit de grands honneurs. Apôtres, frères, frères, sœurs, enfants de Dieu, ces païens, ces barbares, ils nous rendirent de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Ça, ce n'est pas un jour étranger. Ces gens, c'étaient les créatures de Dieu. La terre à l'éternel, tout ce qu'elle renferme. Et ces apôtres et ce peuple de Dieu, ces gens de Dieu, allaient à Rome. Et l'apôtre Paul allait témoigner là-bas à Rome. Et ici, sur l'île, il n'y avait personne, aucun croyant, aucune église, personne du tout. Alors l'aide leur est parvenue et ils ont reçu l'aide. Quand Dieu t'envoie de l'aide par ces créatures, tu recevras, tu seras béni au nom de Jésus. Troisième point maintenant. La largeur irréversible des promesses de l'inchangeable, Dieu lui-même. Il est un Dieu inchangeable. Et il nous donne des promesses larges, c'est large. Et ces larges promesses sont irréversibles. La large irréversible des promesses de l'inchangeable. Allons en Malachie 3. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et ses promesses n'ont pas changé. Si vous comprenez les préceptes, les commandements, vous ne devez pas être sous un joug étranger avec les incroyants. Vous devez également comprendre les promesses qui disent qui peut utiliser les vents, qui peut utiliser la mer, qui peut utiliser la baleine, qui peut utiliser les oiseaux, qui peut utiliser les corbeaux pour accomplir sa volonté. Si nous acceptons ces préceptes, nous devons également comprendre ces promesses. La largeur irréversible des promesses de l'inchangeable, de Hébreu. Hébreu 13, verset 8. Hébreu 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ésaïe 14. Ésaïe 14, la largeur de ses promesses. Et il n'a pas changé. La grandeur de ses promesses. Il n'a pas changé. Ésaïe 14, verset 1er. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et les étrangers se joindront à eux. C'est-à-dire, Dieu va utiliser les Israélites et ils vont conduire les païens, ils vont conduire les étrangers. Et ils se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteur et comme servante. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et vous ne comprenez pas ça. Et les enfants d'Israël, ils retiendront captifs, païens, ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ouais, Dieu va tout renverser. Tous ces incroyants viendront et ils serviront le peuple de Dieu. Voici cet Ésaïe
14, lisons le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Chapitre 44. Ésaïe 45, 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Finalement, il est né 170 ans avant la prophétie. Mais Dieu a dit, ce Cyrus, un incroyant, un roi incroyant, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Tu as raté quelque chose là. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Ça, c'est Cyrus. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Même si tu ne me connais pas, tu es une créature entre mes mains. Et je vais t'utiliser pour libérer les enfants d'Israël. Verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Verset 22. Tournez-vous à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Il veut que nous puissions atteindre toutes les créatures. Et si nous disons non, 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 ah, ils sont des incroyants. Comment est-ce qu'on pourra les avoir? Nous devons les amener. Nous ne demandons rien. Tout ce que nous demandons, c'est que Dieu t'utilise, que Dieu nous utilise pour les conduire à la connaissance de l'Évangile. Et ils viendront. J'ai dit, ils viendront. Ésaïe 49. Lisons le verset 4. Ésaïe 49, verset 4. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Et il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple,
à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ésaïe 61, 5 et 6. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Et vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Chapitre 60. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marche à ta lumière. Ne les chasse pas. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Ce sont les promesses de Dieu. Il dit, les païens, ah, je n'ai rien à faire avec eux. Hein. Regardez les promesses que Dieu donne. Verset 6. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'éphas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nabajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? Qui sont ceux-là qui volent dans les nuées? Qui sont ceux qui volent comme des nuées, comme des colombes vers le colombier? Car les îles espèrent en moi. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. Ils les ramènent. J'ai dit, ils les ramènent. Les dirigeants des communautés les ramèneront. Les conseils les ramèneront. Les gouverneurs vont les amener. Ceux qui dominent sur eux diront, allons, nous irons la main de l'Éternel. Et ils les ramèneront de loin au nom de Jésus. Et quand ils les amèneront, ils seront tes fils, ils seront tes convertis avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Je vais le lire encore. Je veux que tu entends. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Et leurs rois
car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ton gloire. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit, où est-il là-bas? Lève-toi maintenant, lève-toi, lève-toi maintenant. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi personnellement. Ça, c'est pour ta famille. Ceci, c'est pour ton église locale. Ceci, c'est pour la ville. Ceci, c'est pour l'église de la région. Ceci, c'est pour l'église de l'État. Et ceci, c'est pour l'église de la nation. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ce n'est pas un joug étranger. Toutes les richesses, toutes les choses des païens viendront et seront converties. Et comme ils sont convertis, toutes les ressources du pays seront disponibles pour atteindre, pour que nous puissions toucher toutes les communautés, toucher les rues et toucher tous les villages, partout. Et nous allons toucher toute la nation. Lève-toi, c'est une grande chose que Dieu a promise. Ne sois pas sous un joug étranger avec les incroyants, mais n'oublie pas les bornes de perception. N'oublie pas les promesses qui sont si larges que Dieu nous a données. Et ouvre grandement ton cœur. Les grandes choses sont sur le point d'arriver. Ouvre ta bouche.